Jeudi après-midi, Anna s'est décidée à faire une première sélection bibliographique pour le travail qu'elle doit rédiger dans le cadre d'un séminaire consacré à l'histoire de la génétique moléculaire. Pour elle, pas question de faire comme la dernière fois, parce que la dernière fois, ça a donné ça. Alors, j'ai bien reçu votre bibliographie, je vous remercie beaucoup. Attendez, c'est lequel? Celui-là, voilà, celui-là, très 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 bon ouvrage, je vous le conseille vraiment. Celui-là est incontournable, ça, il n'y a aucun doute. Et puis encore, voilà, celui-là, excellent, à ne pas manquer. Maintenant, vous me trouvez vraiment des ouvrages en rapport avec le sujet, hein, pas ceux-là, en rapport, et on se revoit la semaine prochaine. Et puis là, hop. Oui. Très clairement, à ce stade, Anna, tu as oublié un principe essentiel de la recherche documentaire. Évaluer la pertinence des documents que tu as sélectionnés. Quand on parle de pertinence, de quoi parle-t-on exactement? Et vous, quand vous devez sélectionner un document à lire pour un travail, comment faites-vous pour déterminer s'il est pertinent ou pas? Pour évaluer la pertinence de l'information, il convient systématiquement, en fonction des critères observés, de se poser les bonnes questions. Le contenu scientifique couvre-t-il tout ou partie de mon sujet? La précision des données correspond-elle aux besoins de ma recherche? De quel type de document s'agit-il? Ouvrage, article de recherche, revue de littérature, thèse? Quel type d'information est fourni? Graphique, schéma, carte, données brutes, données chiffrées, statistiques, images, commentaires? Ces critères ne vous apporteront aucun élément concernant la qualité intrinsèque du document consulté, mais ils vous permettront de déterminer si l'information correspond à vos besoins. Rappelez-vous qu'un document peut être de qualité, mais non pertinent. Vous avez la carte de fidélité? Avec les points, vous gagnez un marque-page.